Salut les amis, c'est Taïkovo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire, je pense, un petit let's play sur Pupping Simulator 2 qui est sorti il y a à peu près 6 mois. Qui s'en sorti en septembre 2023, qui avait pas mal fait le buzz sur YouTube, sur Twitch il y a quelques mois. Et j'ai beaucoup poncé en off, en solo, quand il est sorti. Et j'ai vu qu'il y a eu pas mal de mises à jour ces derniers temps. Donc je me suis dit ben, pourquoi pas lancer peut-être un petit let's play dessus et voilà quoi, donc c'est parti. Alors va falloir que je me rappelle un peu des touches, donc ok, là on est rentré dans le menu, voyons voir. Bonjour mon fils, après la mort de ton père il n'y a plus rien. Ah oui, alors, donc c'est vrai que là on est dans le didacticiel, ça sert à rien de chercher. Tout ce qu'il faut qu'on fasse, c'est mettre en vente la voiture. Ok. Donc là, on va attendre l'acheteur. Donc on a toujours ça. Pour aller pour acheter ou vendre des voitures. Ok. Mince. Voilà. Zonama. Donc j'imagine qu'il y a beaucoup plus de choses maintenant. Ah, là, pour une fois, c'est une femme. Donc ça a changé, c'est bien. Alors. Avez-vous en train de... je veux 4065, comme le dit l'annonce. Mon offre est de 3113. Allez. Prix d'amis. Puis je réessayer. Allez. Tu le fais à 4000. Je me mets en colère. Je vois que... Tu proposais combien déjà? Ah, parce qu'au début, les dollars comptent. Hein. 3950. Voilà. Bon, c'est déjà ça. La carte... Donc non, on est là-dessus, ok. C'est pas M. Alors, ils ont rajouté ça. Ça non plus, ça y était pas. Je sais pas ce que c'est, ça. Donc ça, c'est le concessionnaire. Ça, je crois que c'est chez nous, non? Ça, donc c'est la station. Non, ça, c'est chez nous. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Le nightclub. Ah oui, donc ça c'est le ok, ça c'est le dépôt, je sais plus trop quoi. Donc atteindre la station, on va suivre le didacticiel déjà et puis on visitera plus tard. À l'entrepôt, le bazar, boîte de nuit, concessionnaire auto. Alors, voilà, donc du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire justement si vous voulez que je fasse un let's play dessus ou pas. Mais c'est vrai que vu qu'il y a eu pas mal de mises à jour depuis que le jeu est sorti, avec pas mal d'ajouts de contenu, je me suis dit pourquoi pas. Ça peut être intéressant qu'on découvre tout ça ensemble. Non, là pour l'instant il n'y a pas besoin. Ok. On verra plus tard si c'est bon. Bon, c'est très très mal lancé. Très très mal lancé, c'est pas grave. Hop, je t'ai oublié, toi là. Tac. Hop. Donc là-bas, non, c'est à construire. Ah, là, on a... Ah ! Ah oui, donc là, ça doit être les toilettes. Ça, je peux pas y prendre pour le moment. Tac, on a ça. Ah. On a le chien et le chat dès le début, d'accord, ok. Qu'on pourra donc du coup plus domestiquer plus tard, évidemment. Si on veut. Il y a ça, j'ai oublié. Tac. Tac, 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 ok.
Ah, maintenant, il ne reste plus qu'à mettre. Je l'ai raté? Non. Ok, donc tout est bon. Commande le ramassage des ordures à la station service, appuie sur eux sur la benne ordures. Ok. Au nouveau. Donc ça arrive. Là-bas. Donc là-bas, c'est le bureau. Et ça, ça doit être un nouveau truc aussi, alors je suppose. Ouais, je sais pas ce que c'est. Je sais qu'il y a l'entrepôt qui est ici. Ça, c'est l'entrepôt. Et donc, non, ça, c'est l'entrepôt. Et il me semble que ça, c'est un autre truc, je crois, où c'est où il y a des jeux, il me semble avoir vu. Et on y verra plus tard. Ok, donc, voilà. Ensuite, la poubelle a évité est vidée. Donc, maintenant, faut qu'on récupère le marteau et qu'on reconstruise. Si mes souvenirs sont bons, réparer le magasin avec le marteau. 200$. Ok. Réparer le toit de la station-service. C'est là. Ok. Réparer la pompe. Ok. Réparer les toilettes. Ok, donc maintenant, commandez la caisse enregistreuse. Tape pour ouvrir votre tablette. Alors, ajouter. Donc on a toujours $50 de frais de port. Alors il fut un temps où j'aurais tout commandé ensemble, mais là je vais suivre le didacticiel parce que je veux pas que ça me bloque le jeu. Attendez que le livreur vous livre votre commande. Alors est-ce qu'ils viennent toujours de là-bas? Ouais, ils viennent toujours de là-bas. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Gérer la station. Ok. Ah, ils ont fait des fermiers. Ok. Yen qui n'y était pas. Pilote. Responsable, agent d'entretien. Sinon, c'est toujours la même tête. Hein. Really? Ok. Amélioration. Prochaine facture dans 2 jours, ok. Et action. D'accord, ça, je sais pas trop encore ce que c'est, peut-être qu'ils nous expliqueront. Alors maintenant il faut qu'on place donc la caisse là-dedans, ok. Il n'y a pas de lumière. Hein. Commander une livraison de carburant, donc ouvrir la tablette, gérer carburant. Et on va commander à fond. On laisse lumière automatique. Donc on a toujours Zonoma, avis client, prêt, économie, c'est quoi? Mon avis, je pense, c'est pour voir ordre du marché, réparation, commande carburant. D'accord. Les caméras, mini-jeu dépannage. Caisse drop et balloon. Ok, ça je sais pas ce que c'est. Donc le camion citerne arrive, il va falloir donc le brancher. Ils n'ont pas l'air d'avoir ajouté d'autres. Ouais, terminer le tutoriel. Donc je dois attendre que le client arrive. Alors c'est vrai que j'avais oublié, on doit servir aussi à la pompe. Un peu logique quand on est pompiste. Donc j'ai vu en nouveauté, il y a donc un aérodrome, il me semble, si j'ai bien compris. Il y a des nouvelles voitures, notamment les, je crois que c'est les Tesla là, du futur, qui doivent prendre électrique. Alors, ok, on remplit. Les gens sont toujours aussi dégueux. Ok. On en est où?
Il a rajouté des différents styles de personnes, hein, visiblement. Parce qu'effectivement, ça doit faire droit bien 3. Le jeu est sorti en septembre. J'y ai joué, à mon avis, je crois, jusqu'en novembre, un truc comme ça. Donc j'ai pas dû, je l'ai pas touché depuis 3-4 mois. Donc oui, il y a dû y avoir quand même pas mal de choses. Hop, et il me semble que voilà, comme ça, il n'y a pas besoin de retourner là-bas. Maintenant, on retourne là. J'ai vu, donc moi, ce que j'ai pas testé, c'est quand ça, là, les jeux étaient arrivés. Donc ça, j'ai pas testé. Je ne sais pas donc ce que c'est. Je vais y découvrir avec vous. Allez, on active, madame. Alors, maintenant, enfoncé. Non, c'était pas ça. Commander une autre pompe à essence pour... Ok, donc on va commander une autre pompe à essence. Il faut que j'appuie sur ajouter. C'est vrai qu'en fait, vu que ça clignote... Ok. Donc on va attendre que ça arrive. Ok, donc la nouvelle pompe à essence, on va la poser. Voilà. Commander un toilette pour ouvrir la tablette. Toilette. Il peut pas tout nous le faire en même temps. Si je commande du papier toilette, ça va le tuer ou pas? Parce que là, à 125... Bon, je vais commander ça parce que il suffit qu'il me demande de commander un truc, je me souviens plus ce que c'est. Donc, par contre, il n'y a pas de voiture qui vient entre temps pour nous occuper. Non, on est vraiment à attendre. C'est là où peut-être que le dev aurait pu faire quelque chose sur le didacticiel, c'est d'éviter ces pertes de temps. Ok, il arrive, il va encore me faire un doigt. Voilà. Promis, je te fais plus venir juste pour un colis. Enfin, j'espère. Peu de clients viennent pendant la nuit, je rentre chez moi en bus. Ok. Bon, ça doit être la fin du didacticiel, je suppose. Ok, donc nous voilà à la maison. Il ne restera plus qu'à dormir dans le lit. Est-ce qu'ils ont rajouté des interactions avec la daronne? Je pense pas. Avec la petite amie? Non, on est toujours au même point. Ok, du coup, on retourne à la station. Là, ils vont sûrement nous faire commander une étagère avec des produits dedans. Voilà. Je l'avais dit, hein. Bien sûr, en faisant payer à chaque fois les 50 balles de frais. Parce que après avoir fait commander l'étagère, ils vont nous faire commander les produits. Produits qu'on aurait pu acheter en même temps qu'on commandait l'étagère. Étagère même qu'on aurait pu commander la veille en même temps que tout le reste, hein. Mais bon, c'est pas grave. Ok. Ensuite, commande du cola pour ouvrir la tablette. Alors. Ajouter. Alors, je vais peut-être pas, là, forcer le truc. On va rajouter d'autres choses. Comme ça, au moins, ce sera déjà ça de fait. Là, on est à 158. Voilà, au moins ça. Parce
que de toute façon, même si au pire ils nous refont commander d'autres produits, on rentabilise un minimum. Ok, donc on a au moins le cola. Hop. Donc j'imagine qu'il faut lire le mail. Nous sommes fiers de vous annoncer que vous avez réussi à ouvrir votre entreprise, mais pas qu'il y a beaucoup à faire dans les environs. Envisagez d'améliorer votre station, d'étendre votre marché, de moderniser vos pompes, de renouveler vos toilettes, d'embaucher de nouveaux employés, de tels développements attirant les clients les plus nombreux. Ok. Donc voilà, ça je crois que c'est pour nous dire qu'on a terminé le didacticiel, logiquement. Ok, c'est tout mélangé. Il n'y a pas... Ah ouais, ça cherche plus à... Bon, soit. Ouais, j'ai l'impression que ça a l'air d'être... moins bien fait. Il me semblait pas que c'était comme ça avant. Il me semblait pas que les produits se chevauchaient. Donc il y a des voitures qui arrivent. D'ailleurs, il va falloir aussi que je récupère, je pense, les objets qui traînent au sol. C'est-à-dire la bombe, la batte, le balai et le débouche-toilette. Ok. Et on va enfin pouvoir commencer. Alors... Oh, tac, c'est ça. Hop. Mince, faut que je reprenne en main tout ça. Je me souvienne des boutons. Donc c'est vrai qu'au début ça va être un peu long et puis après une fois que la partie sera bien lancée. En étant un peu parce qu'il faut bien s'occuper. Ok. Bah. Ah, faut que je revienne à la main. D'accord. Ok. Donc toi, tu vas à la caisse. Bon, il y a encore un peu de temps avant que tu y arrives. En même temps, toi, il y a un peu de temps avant que ça se termine. Donc, en attendant tout ça... On peut continuer à nettoyer le sol. Alors. Donc maintenir E pour terminer l'opération. Ok. Bye bye. Et t'as rien acheté, du coup. Si j'ai bien compris. D'accord. Toi, c'est terminé. Ok. Donc la première chose qu'on va, évidemment... Je pense améliorer plus tard, ce sera ça qui est de l'argent passif. Donc, faut que je fasse bien attention qu'il n'y ait pas de voleurs qui viennent m'embêter. Et je crois que de toute façon, on l'entend. Ah, pardon, je.
Okay. Pourquoi t'es pas contente? De toute façon, au début, c'est vrai qu'ils sont pas contents pour tout rien. C'est pas grave. Faut que j'arrive à me remettre un peu des commandes. Alors, il est parti ou c'en est un autre qui arrive? C'en est un autre, visiblement, j'ai l'impression. Tac. Allez, monsieur, bonjour. Hop, je vous fais le plein. Parfait. J'ai quelqu'un à la caisse, je crois bien. Monsieur, bonjour, excusez-moi de vous avoir fait attendre. Hop, tac. Ok. Et ça a évidemment lâché ça. Ah, il va falloir peut-être acheter une poubelle aussi. Nouveau record, plus 2 points de nettoyage. 88. Hop, j'ai vu que c'était un peu sale ici. Voilà. Il doit y avoir une tâche qui traîne quelque part, vu le score. Et encore, je suis même pas si il doit y avoir une tâche qui traîne quelque part. Donc pour l'instant, tu n'as pas faim. 100%, ok. Toi, tu vas les régler. Monsieur, bonjour. Hop. Je vous branche tout ça. Parfait. J'essaye de voir où est la tâche en même temps. Ah, mais c'est ça. D'ailleurs, ouais. Hop, je viens de me rappeler qu'il y avait quelqu'un là. Toujours aussi dégueulasse. Hop, un petit coup ici. Je te rejetterai plus tard. Monsieur, alors, en plus du plein, je vous rajoute ça, pas de problème. Ok. Et on termine l'opération. Ça, t'as rien acheté. T'es sympa. Ah non, j'ai raté. Dommage. Bon, je vais le récupérer. Ok. Je crois que je ne l'ai pas débranché, lui, au passage. Ouais. Hop, c'est bon. Oui, évidemment, ça jette sa clope par terre. Dans une station essence, pourquoi pas? Si ça te dérange pas, je peux te l'écraser sur la gueule. Je dis ça avec beaucoup de bienveillance, évidemment. Hein. Et beaucoup d'amour. Parfait. Good morning. Va falloir évidemment que je fasse aussi le plein de produits. Ok. Parfait. Ok, donc terminé. J'ai un nouveau client qui arrive à la station. Monsieur, bonjour. Vous êtes petit, monsieur. Hop. On remplit. On en est où en termes d'essence? On est à la moitié bientôt. 13h, il y a encore un peu le temps. Je pense que je ferai le plein vers 16h. Good morning. Donc tu viens pour acheter. Ah, il va falloir que j'achète une poubelle aussi. Hein. Alors, tac, tac. 16,54, okay. S'il vous plaît. Ok, j'ai gagné une étoile. Waouh, ça m'a arraché les oreilles. Il faut que je baisse le son à ce niveau-là. J'ai gagné une étoile. Je pourrais recruter donc un employé. Pour l'instant, ça vaut pas forcément le coup. Non, mais faut arrêter là hein, de jeter des clopes. Euh,
Hop, tac, allez, débrancher. Je vérifie quand même toujours un peu de loin qu'il n'y ait pas de voleur. Voilà, bonjour. Hop. Voilà, je vous fais le plein. Bien joué. Bon, le mec a visiblement pas encore choisi, donc j'avais le temps. Non, rien ne vous fait plaisir. C'est bien dommage. Ok. Hop, oui, oh. Vous reviendrez quand même, je me fais aucun souci là-dessus. C'est moi ou elle vient à peine d'arriver, elle a déjà jeté son sandwich par terre, elle. Ok, donc là on est bon, hop, en attendant, on va pouvoir mettre un petit coup de balai par-ci, par-là. Alors en plus il m'a dégueulassé le sol, ouais. Bravo, c'est du beau. Bon, il y a de faire chaud aussi, peut-être pour ça aussi qu'ils sont pas contents. Mais bon, la clim, ce n'est pas une nécessité première dans une station-service, surtout de mon envergure. Terminé, ok, parfait. Hop. Voilà, je vous attends à la, à la caisse. Ah, madame, bonjour. Ah, sympa votre tenue, j'aime bien. Okay. Super. Bonne journée, madame. Non, moins bonne journée du coup maintenant. Hop, une petite canette histoire de se réhydrater. Okay. Oui, ça fait toujours plaisir. Terminé. On va évidemment jeter ça. Toi, je t'ai vu jeter le truc. Hein. Fais pas genre, je t'ai vu jeter ta merde au sol. Hein? Tu peux pas y jeter la poubelle? Pas possible ça. Il y a un trognon de pomme, mais un peu bizarre. J'ai cru que je l'avais raté, j'allais dire, tiens, je le rate à ce niveau-là. Ça craint. On en est où en termes d'essence? Ah, il va falloir recommander. Hop, allez, on recommande. Tac, c'est parti. Le camion citerne est en route. Parfait. On va faire une deuxième chose aussi pendant qu'on est là. C'est, on va aller sur... Bon, ça, de toute façon, ça sert à rien. On va gérer ma station. On va acheter. Première chose, ça va être poubelle. Je vais déjà en acheter au moins une. Que je vais mettre ici à côté. Et on va acheter aussi, du coup... alors. Ça, j'ai pas, donc je vais en mettre. Ça, je vais en mettre aussi. Tac, tac, tac. On a combien? 284. Hello. Hop. Et ça. Pour l'instant, on va commencer par ça. Madame, j'arrive. Je remplis juste la citerne. Voilà, enfin je vide la citerne. Tac, voilà, je commence à être dépassé un peu. Ok. Allez, c'est terminé, merci, au revoir. Alors, il y a qui? Madame qui est arrivée. Donc je débranche madame ici. Et je branche. Enfin, je branche. Madame ici. En même temps, je suppose que elle m'a laissé. Oh. Toi deux fois. Hein. Nettoyer les chiottes. Je le laisse là parce que normalement, les Onama qui arrivent, si j'ai bien commandé. Ok. Bonne fin de journée, madame. Au revoir. Et au plaisir de vous revoir. Ah, c'est vraiment un torchon, une porcherie. J'ai bien commandé? Ou pas? Oui, si j'ai plus d'argent. 7 préparations de l'envoi, 2 commandes en cours. Ce qui veut dire?
Pas sûr de comprendre. Je ne suis pas sûr de comprendre. C'est nouveau ça? Est-ce qu'à partir d'une certaine heure... Ah non, ça y est. Ah parfait. Justement, je l'attendais. Alors. Monsieur, bonjour. Allez, une petite boîte de thon, une petite canette de soda, parfait. Ok. 1274, madame. Un plein et une petite canette de soda, parfait. Hop. Donc je vais pouvoir maintenant jeter ça à la poubelle, ça aussi, tac. Ok, je me fais livrer. Alors, ils sont pas violents hein, en termes de la livraison là. Je vais pouvoir débrancher ça. Voilà. C'est devenu crade d'un coup là. Qui c'est madame? Madame, bonjour, je vous sers tout de suite. Tac, voilà, parfait. Et on va en profiter pour continuer un peu à... D'accord, ça c'est bon. J'aime vraiment pas la... Comme c'est fait là. Le fait de mélanger tous les produits comme ça. Je sais pas pourquoi c'est devenu comme ça. Parce que il me semble pas que c'était dans... Avant, il me semblait qu'il y avait un rayon par produit ou un truc comme ça. Ah, voici, voilà, pardon. Je suis pas sûr que... Ah non, ça, c'est pas ça du tout. Ah ouais, donc ça va au frais. Ça va au frais, oui, effectivement. D'accord, on peut quand même par contre gérer un peu plus. On peut gérer un peu plus. Okay. Les étagères. Je le saurais. Enfin, peut-être que, ouais. Je m'occupe aussi de la station. La dame attendra en caisse. De toute façon, elle ne va pas partir sans payer. Madame, bonjour. Je suis à vous. Excusez-moi du temps. J'étais un peu occupé. J'arrive, madame. Vous inquiétez pas. Hop. Juste que les gens sont un peu dégueulasses. Il n'y a pas de souci. Non, ça va, t'as rien acheté. Heureusement pour toi. Ok, nettoyant porte-vitre. Très bien. On va retourner vers elle parce qu'on a dit c'est bientôt prêt. Hop, un petit coup de balai par-ci. Un petit coup de balai par là. Ok, je vais pouvoir te débrancher. Au passage, je récupère une canette. Hop, des petits clubs sandwich. Hello. Monsieur, bonjour. Allez-y, faites-vous plaisir, c'est tout frais, ça vient d'arriver. Juste ça. Tout ce trajet, okay. Juste pour ça. Non, monsieur. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Madame, bonjour. Okay. Enfin, rebonjour plutôt, excusez-moi. Parfait. Ok, j'ai une autre voiture qui vient d'arriver. Je vais mettre... Les cup noodles. Mince, non, c'est pas ça. Très bien. Ah, la nuit approche, donc ça veut dire qu'on va bientôt fermer la station-service. Je pense que monsieur, vous serez peut-être le dernier ou l'avant-dernier client. Voilà. Entre-temps, j'ai reçu un mail qui me dit, le trafiquant, si on faisait un peu d'argent, je suis au magasin le soir, viens me retrouver. Ouais, alors. Pourquoi pas ? Mais pas maintenant.
Je vais attendre de reprendre un peu le jeu en main. Et après, je pourrais peut-être faire un peu le show avec la drogue. Parce que je sais que la drogue, c'est mal. Mais la drogue, ça paye. Donc... Voilà. Donc pourquoi pas. Ah, monsieur l'agent, c'était une blague. Je blaguais, je suis un commerçant sain de corps et d'esprit. Et... Alors, évidemment, tac. Il reste combien? Ok, on y est. Hop. Je vais donc fermer la station. Parfait. Comme ça, plus personne viendra. Je finis avec monsieur. Si monsieur pouvait se dépêcher. Et du coup, le lendemain, il faudra que je refasse donc le plein de... Le plein d'essence. Ok. Et sûrement... parce que qu'est-ce qu'on a là ? Peut-être que je rajoute une poubelle là-bas. Ce sera déjà ça de gagné. En même temps, avec 554... ça va pas être simple. Juste, on va aller faire un tour à l'entrepôt. Parce qu'il peut y avoir des prix intéressants sur les produits parfois. Bon, ils ont pas amélioré ce truc. Des chips à 15. Chaise de bureau, étagère, on s'en fiche. Ça, pour l'instant, les projecteurs, on s'en fiche. Et c'est quoi? Et pour l'instant, la batterie aussi, ça me sert à rien. Par contre, on peut peut-être prendre les chips à 15. Je vais les ramener avec moi. Je sais pas si je peux prendre le bus avec. Je l'ai toujours avec moi, donc ça va. Par contre, c'était, je sais pas ce que c'était ce bruit. Hein. Ok. Chérie, bonsoir. Hop, j'ai rien pour toi, donc je dors. Après, c'est pas forcément la vie de couple rêvée. Hein. Disons-le, soyons honnêtes. Ok. Je reprends mon carton et vu que on a une nouvelle journée, je vais retourner à l'entrepôt et on va voir ce qu'il y a aujourd'hui. Si on peut faire quelques économies, cas où par exemple il y a une poubelle ou quelque chose comme ça. Hein. D'ailleurs, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen F pour l'envoyer à la station service. Qu'est-ce qu'on a? Pour l'instant, ça me sert à rien. Là, ça non plus. Ça, c'est quoi? Machine à jouets. Un refroidisseur de boîte. Refroidisseur de boîte. Bon, il n'y a rien qui m'intéresse. Allez, on va à la station service. D'ailleurs, tac. Hop, je commande tout de suite. Et j'ouvre la station. Comme ça, le temps que j'arrive, tout est là-bas. Et du coup, il me reste un budget de 200. Alors, je vais pas pouvoir acheter une poubelle tout de suite. Mais peut-être... quelques articles. Quoique j'ai quand même déjà pas mal d'articles, hein. C'est quand même assez plein, c'est pas trop vide les rayons, même s'il n'y a pas tout. En raison de l'inflation, les prix de l'essence ont augmenté de 8% pendant 2 jours encore. Ok.
Allez, on va remplir. Pas mal de chips, hein. Il n'y a plus beaucoup de Nesquik et tout. Oui, après, en enlevant ça, peut-être que, ouais, il y a peut-être moyen de faire quelque chose de mieux. Mais bon, quand même, je... Voilà. Ok. Il va peut-être falloir que je commande peut-être un frigo. Le prix du frigo, c'est quoi? Parce que ça paraît très logique. De mettre les produits qui vont dans le frigo justement. Le petit réfrigérateur... Ah, 450, allez, quand même. Puis après, on a le congélateur, refroidisseur de boîte. Ce que c'est, ça c'est nouveau, refroidissant de boîte, je ne sais pas ce que c'est. Borne électrique, ouais, ça après de toute façon c'est du hors budget. Générateur de vent, panneau solaire. Après il y a tout ce qu'il y a pour les toilettes. Ah, pardon, je. Oui, bonjour, vous allez où? Ce serait pourquoi? Je sais pas, c'est nouveau ça. Ah, un voleur. Il m'a volé quelque chose. Ou tu voulais me voler quelque chose. Dans tous les cas, t'as bien fait de venir. Voilà, ça c'est pas perdu. Ce sera pour la prochaine fois. Alors, donc un plein, une chips... Et une boisson énergisante, ok. C'est toujours pas ce qu'elle veut la personne là-bas. Donc toi c'est bon. Toi c'est bon. Ah ouais, peut-être qu'elles attendent et c'est nouveau ça. Je sais pas. Quoi, tu m'étais venu me dégueulasser le sol, ça, une chose est sûre, c'est ça. Ah, ou aux toilettes? Je comprends pas tout. Je ne comprends pas tout. Monsieur, bonjour, je vous avais pas vu. Un petit sandwich, ok, parfait, avec un T4. Très bien. Ça commence à vraiment être sale, hein, ma station, là. Ah non, les voitures visiblement s'arrêtent pour aller aux toilettes. Non. Tu me dégueulasses le parking et puis après tu fais quoi? Ah, c'est vraiment sale de sécher ça là. Oh là là. Madame, donc votre plein et un paquet de cigarettes évidemment. Okay. Tant que vous me le jetez pas sur le parking, faites ce que vous voulez de votre vie. Cela ne nous regarde pas. Non, donc cette personne est donc juste venue sur le parking pour fumer une cigarette et me salir le sol. Je comprends. Il est où mon chat et mon toutou là? Pendant qu'on est là, hop, là c'est bon. On va nettoyer un petit peu. Ah, parce que c'est vraiment crade. Monsieur. Alors, des chips et du thon, très bien. Ouais, il n'y a pas de souci. Un peu trop enjoué le monsieur là. Ah, il y a le toutou qui est ici. Est-ce que tu as faim? Peu affamé. Hein. Ça veut dire que tu peux attendre encore un peu. Tu peux attendre encore un peu, ok.
Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même commander. Alors. Magasin. La nourriture pour chien. Petite conserve. Du poisson en conserve au cas où. Moutarde, ketchup. On est à 250. Hop, ce sera déjà pas mal. Alors. Donc, j'ai toi qui dois attendre. Ici. Et toi qui as terminé, qui est là-bas déjà. Ok. Monsieur, j'arrive, vous inquiétez pas. Me voilà. Je suis à vous. Ça sent mauvais. C'est des choses qui arrivent. Ok. Hop, regardez. Un petit coup de pchit. Voilà. Et tout est dans l'ordre. Il y a peut-être que moyen qu'il faille que je nettoie les toilettes. Ouais, ce qui me semblait. Tac. Un petit coup. Ici aussi. Hop, parfait. Hop, ça qui va aller à la poubelle. Ah bah la poubelle est pleine. Voilà. Madame, allez-y, vous inquiétez pas, j'arrive. Hop. On va nettoyer ici un peu au passage. Ici aussi, ok. Ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. Hein. Il y a toujours des choses à faire. On court toujours dans tous les sens. Messieurs, dames, allez-y, je suis à vous. Alors, ok. Ok. Tac, tac. Je me souvenais plus qu'on était aussi en flux tendu que ça dès le au début. Parce que c'est vraiment... Alors, nourriture pour chien, je vais la mettre là. Je vais la garder. Pour plus tard. J'avais presque oublié les commandes, tellement c'est long à arriver. Alors, je crois qu'on a un nouveau, ouais. Un nouveau client à la station. Hop. Mince. Je trompais le bouton, ça va, monsieur. Ou madame, je ne sais pas. Excusez-moi. Madame. On peut se tromper, ça arrive. Vous avez tous les droits de vous faire les cheveux courts. J'ai tous les droits de me tromper. Monsieur, à nous. Alors, un petit peu de nettoyage, un petit peu d'huile de moteur. Ok. Et voilà, on vous souhaite une bonne journée, évidemment. Alors... Ok, le thon c'est bon. Le thon c'est bon. Les piments jalapeno. Jalapeno. Les piments. Le chat. El gato. Peu affamé. Veux poisson en conserve. Lait. Ah ouais, tu veux, tu exiges. Le chat exige. Ok, alors, ça non. Hein? Déjà, une station essence, non, mais en plus, acheter par terre, encore non. Il doit y avoir quelque chose à faire avec le parking, je pense qu'à mon avis, il doit y avoir un truc à ajouter. Ben, c'est vrai que ça vient squatter ton parking comme ça. Je crois que j'avais quelqu'un. Hello. Oui, on s'est déjà vu, madame. Hop, allez, amenez-moi jusqu'au 80, bien 85, okay. J'aime ça. En vous souhaitant évidemment une bonne journée, madame. Au revoir et à bientôt.
Alors, je crois que je peux pas mettre du coup la moutarde, donc je vais attendre de vider un peu. Ça vient de tous les côtés, il y en a de partout. Comme les poubelles, il y en a de partout. Ah, un petit bug. Alors, 100%, tac. Et vous, c'était débranché. On doit être aux toilettes, je pense, parce que... Ah non, c'était monsieur. Okay. Très bien. Au revoir et bonne fin de journée, monsieur, madame. Petit sandwich. Ouais, je comprends de faire 12 km pour un petit club sandwich. Moi-même, je ne l'aurais pas fait. Chacun son délire. Hop, la moutarde, on va pouvoir la mettre. Parfait. Alors, pendant que on a tout ça, on va pouvoir aller récupérer tout ça pour pouvoir y jeter à la poubelle. Ah, il y a un voleur qui arrive. Je vais même pas lui laisser le temps d'arriver. Je crois que je t'ai pas vu. Et ça dégage. Allez. Retourne chez toi. Hop. Il me semble qu'il y a une nouvelle personne. Non, c'est la même que tout à l'heure. Non, c'est une nouvelle personne. Alors par contre, ils n'ont toujours pas changé ce côté de... Ça, c'est pénible. Il aurait fallu le mettre de l'autre côté, ça aurait été quand même beaucoup plus simple. Du coup... Hop, j'ai juste récupéré un petit poisson en conserve. Hop, là, pendant que le chat est ici. Voilà. Donner un nom, pouah, j'ai pas d'idée, on va l'appeler Minou. Parce que Minou, il est tout doux. Alors, monsieur, madame, pardon. Alors, les gens vont croire que je fais exprès. Alors que pas du tout. Ok, j'ai quelqu'un à la station, j'arrive, je me... Non. Je suis désolé, non. Faut arrêter d'être des gros dégueulasses à un moment donné. Donc, une personne en caisse... Monsieur, les cup noodles avec évidemment du soda. Ok. Voilà. À deux doigts de me faire engueuler quand même, hein, j'ai l'impression. Vous savez, monsieur, hein, travail est difficile pour tout le monde. On peut faire pipi, hein, ça va pas pour autant. Voilà, regarde, hop, moi ce que je fais, hop. Et puis un peu sur toi aussi. C'est dégueulasse. Tac, du coup, comme je suis un débile, je le refais deux fois. Alors que j'aurais très bien pu le laisser faire son truc. Et après y aller. Donc, nous avons ceci. Très bien. Okay. Presque 100$, on aime ça. D'ailleurs, je suis en train de penser, est-ce que il ne va pas falloir que je fasse le plein ? Ouais, si, parce que sinon, on n'aurait pas pu tout remplir. Ah oui, alors, faut que j'enlève. Sur la dame, c'était déjà fait. Il y a que le mec. Tac, pendant que je suis là. Nettoyer cette grosse tâche là. La citerne qui arrive. Tiens, il y a le chien qui est juste là. Une cliente qui arrive. Madame, je suis à vous. Encore, ça fait deux fois là le voleur. Deux fois en 5 minutes. C'est deux fois de trop. Ah, mais tu peux venir. Vas-y, viens discrètement. Vas-y, viens. Bonjour. Ça va? Hop. Voilà. Ça c'est fait. Non, toujours pas là. Bon, la citerne va attendre un petit peu. Hop, moi j'ai des clients à servir. Pour 13,34$ évidemment. Il n'y a pas de petit profit.
Ok, ça c'est fait. J'ai encore ça. Évidemment, il y a d'autres voitures qui me déglacent le sol. On s'en sort plutôt pas trop mal en termes de salissure. Ok, tac. Je suppose évidemment voilà, que c'est dégueulasse ici. Une nouvelle facture est arrivée. Facture de quoi? Les taxes sûrement, hein. L'État est sur notre dos, même dans les jeux. Pas cool ça. Laissez-nous tranquille. Alors, c'est où? Prêt, économie? Non. Ouais, la police, elle court. C'est où? Non, c'est pas là. Là, facture. Eau, électricité. Comment eau? Qu'est-ce que je paye? Je paye l'eau des toilettes, d'accord, ok. Je suppose. Tac. Allez. Ce serait le dernier client, monsieur. J'arrive. Voilà. Hello. Hop. Et bonne soirée, madame. Au plaisir de vous revoir dans notre super station-service. Monsieur. Ah, finalement, vous prenez rien. Toujours trop d'enthousiaste. Ok, bon, tous les détritus là-bas, on s'en fiche un peu. On en est où là? Bien. Mais tu vas attendre, tu sais quoi? Hop! Allez, je vais en prendre un, comme ça me remplira ma poubelle, et avant de rentrer, j'irai l'acheter. Ah non, ça va aux toilettes avant? Bon. Ok, j'ai compris. Ce que je vais faire, si déjà, au cas où, normalement ça change rien, mais au cas où, hop, on ferme la station. Je l'ai mis dedans? Non, je peux pas l'avoir mis dedans. Ah non, il est à côté. Ok, vous êtes là. Allez, on se dépêche. Il y en a qui veulent dormir là. Hein. Il y en a qui ont une famille à côté. Ok. Très bien. Allez, sortez. Allez, hop. Cette heure-ci, mais sérieux? Pas possible ça. Bon, je suis obligé de le mettre là. Et voilà, une nouvelle journée terminée. Hop. Bon, toi, je m'occupe de toi demain, promis. Un peu affamé en plus. T'as le temps. Ok, très bien. On termine la journée. On retourne à la maison. Et on va terminer du coup ce premier épisode sur cette fin de journée. Donc, il faut que je me remette dedans, évidemment. C'est vrai que ça fait longtemps que j'y ai pas joué, donc il y a quelques petits mécanismes à retrouver. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié cet épisode, si vous voulez évidemment plus d'épisodes de la série, si vous voulez un long let's play dessus, voir les nouveautés ou pas. Moi, ça m'a fait plaisir de retourner un peu sur le jeu. J'ai hâte de découvrir tout ce qu'ils ont mis. Ça risque d'être évidemment un peu long. Hein. Les bénéfices ne se font pas rapidement, mais voilà. Faut prendre le temps. En tout cas, n'hésitez pas à liker évidemment si vous avez aimé, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!